Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Tutos de Titi. Donc c'est une chaîne où je vous propose différents tutos sur les ordinateurs et sur les mobiles. Avant de commencer, pensez à vous abonner sur ma chaîne et de cliquer le petit bouton abonné pour vous abonner sur ma chaîne et sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors de mes prochaines vidéos que je ferai. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite avec un tuto, à savoir comment faire pour inviter des amis à aimer une page ou un groupe. Donc souvent les gens ne savent pas trop comment faire, donc là je vais vous expliquer comment faire. Donc sachant que cette vidéo est dédiée aux personnes qui sont sur les mobiles hein, ou les smartphones. Donc ça sera plus utile pour ces gens-là qui veulent l'utiliser. Donc comment faire? Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais aller sur ma page, voilà, donc sachez que je fais du dépannage informatique, donc mon entreprise c'est TED Dépannage Informatique que vous trouvez facilement sur internet. Donc je me déplace essentiellement sur Mulhouse et son agglomération, je fais du dépannage à domicile, donc réparation d'ordinateur, logiciel, etc. Je vends du matériel informatique et je fais aussi de la formation, donc pour me contacter c'est le 06 71 02 41 44, voilà. Donc, comme je dis, c'est uniquement pour Mulhouse son agglomération. Si c'est au-delà, ça sera du dépannage en ligne, donc avec un logiciel spécifique. Donc, ça sera une prise en main à distance. Voilà. Donc, on va commencer. Suite à ça, je vais vous expliquer maintenant comment faire pour inviter des gens à aimer une page. Un profil, vous avez créé une page ou vous avez vu une page et vous voulez inviter des amis à cette page. Être intéressant pour vous et pour les autres ou bien un groupe pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord on va aller sur la barre de recherche, on va taper le nom de la page en question, donc vous tapez la page et vous allez accéder directement à la page, ou bien si vous l'avez déjà tapé, vous avez un listing qui apparaît et vous tapez simplement le nom de la page. Donc là on va prendre NTV68, donc sachez que c'est un média local hein, indépendant. Qui propose de faire des vidéos locales, de donner la parole aussi aux gens sur le Haut-Rhin et de couvrir l'actualité. Donc c'est un média qui est indépendant. Donc, c'est des vidéos qu'ils enregistrent soit en direct, en live, ou alors vous pouvez revoir les replays directement depuis cette page ou bien depuis leur site. Donc voilà. Ils acceptent aussi les dons, hein, malheureusement, comme les petits médias qui sont indépendants ont besoin d'argent. Donc pour les généreux, ils acceptent même jusqu'à 1 euro de dons. Donc pour ceux qui veulent donner un peu d'argent pour faire développer ce média et avoir des médias de très bonne qualité, n'hésitez pas à leur faire des dons. Donc maintenant, comment faire pour inviter des gens à aimer cette page, ben c'est simple, vous avez la barre du milieu où il y a marqué accueil, vidéo, photo. Vous pouvez voir communauté, aide, à propos. Donc vous allez simplement sur l'onglet communauté, vous appuyez dessus. Voilà. Ensuite, vous avez jusqu'à descendre la fenêtre, jusqu'à ce que vous voyez marqué inviter des amis. Donc vous avez un bouton, inviter des amis, vous appuyez dessus. Vous avez un listing d'amis, ce sont des amis, les amis que vous avez dans votre profil à vous. Donc les amis que vous avez sur votre profil. Vous avez juste à cocher les petites cases bleues sur la droite, avec votre doigt. Et vous faites envoyer les invitations. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà fait les invitations aujourd'hui. Sachez que je vous conseille de n'inviter que 10 personnes à chaque fois, à chaque jour. Ne faites jamais plus de 10 personnes parce que sinon Facebook va vous considérer comme un spammeur et vous bloquera les partages pendant 24 heures à 3 jours. Donc pendant 3 jours et 24 heures, vous ne pouvez plus rien partager sur votre profil. Donc voilà, c'est un des conseils que je vous donne. Donc là, c'est une des méthodes pour apprendre, pour savoir comment inviter des amis à une page. Donc eux, ils recevront une notification de la page pour accepter l'invitation. À aimer cette page. Après, à eux de voir s'ils acceptent ou pas. Voilà. Donc, ensuite, on va aller à la deuxième méthode
comment inviter des gens à aimer un groupe. Un groupe et une page, c'est pas du tout pareil. Une page, c'est professionnel. Un groupe, tout le monde peut en créer un, même les particuliers. Donc, pour créer un groupe, on va d'abord taper le groupe en question sur la barre de recherche en haut. Ça va vous amener à la page du groupe. Ou bien, si elle a déjà été tapée une fois, elle apparaît sur le listing qui est en bas. Donc, on va prendre le groupe Actu68. Voilà. Donc, sachez que c'est un groupe qui appartient aussi à NTV68. Donc, on est dans ce groupe. Donc, on peut voir, il y a pas mal de choses dessus, d'actualité, des gens. Sachez qu'il y a un modérateur qui vérifie aussi ce que vous proposez de mettre sur le groupe. Donc voilà. Comment faire pour inviter des amis à aimer ce groupe? C'est simple, il suffit simplement, vous voyez qu'il y a des petits icônes en haut avec des photos, ce sont tous les membres qui ont été acceptés dans ce groupe. Donc pour inviter des amis à aimer ce groupe, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton bleu avec le petit plus. Vous appuyez dessus, voilà, une fenêtre s'ouvre. Là, vous avez deux fenêtres, une en haut qu'on parlera après et une en bas. C'est la liste d'amis que vous avez dans votre profil. Il suffit simplement d'appuyer sur inviter et la notification est envoyée automatiquement à la personne que vous avez invitée. Donc, ça invite cette personne à aimer ce groupe. Voilà. Donc, si maintenant vous voulez pas passer par là, mais faire plutôt une invitation générale sur votre profil, vous pouvez copier le lien du groupe, le mettre sur votre poste, dans votre profil. Donc il y aura une fenêtre, une image qui va apparaître du groupe. Les gens auront juste à cliquer dessus et faire une invitation d'amis directement sur le groupe eux-mêmes. Ou bien partager ce lien via Messenger de Facebook. Donc là, c'est les deux méthodes que je vais vous montrer, la plus simple et la plus rapide pour inviter des amis à aimer des pages ou des groupes sur Facebook. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura intéressé, vous aura plu et vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et pensez à vous abonner à ma chaîne Les Tutos de Titi et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Voilà, je vous remercie, à bientôt.